En seconde à Marseille, on était quatre collègues et on adorait jouer à la belote. Alors on se dévirait du cours de sciences économiques et sociales. On aimait bien le prof, mais nous, on voulait jouer aux cartes. Et comme quand il n'en pouvait plus, il nous envoyait direct dans la course, c'était facile. C'était marrant aussi, parce qu'on inventait toujours de nouvelles conneries, ça amusait les autres et on devenait un peu les stars de la classe. Et puis, je suis devenu CPE. Et je m'occupais des élèves exclus. Ils arrivaient dans mon bureau, parfois tout fiers, mais la plupart du temps en colère ou en pleurs. Exclus pour cinq minutes de retard, un livre oublié, une question posée au mauvais moment. Alors quand je suis devenu chercheur, je me suis intéressé aux exclusions de cours. Je vais voir des enseignants et j'entends un autre discours. Dans une classe de 24, si tu en as un seul qui empêche tous les autres de travailler, il faut l'exclure, il faut sauver le groupe. C'est logique. Les profs débutants, eux, ils savent que c'est mal d'exclure. On leur apprend en formation. Mais comme pour eux, ce n'est pas facile, les anciens leur disent, si tu t'en sors pas, exclu, et tu pourras continuer à faire cours. Et comme eux, ils savent y faire, les jeunes leur font confiance et apprennent à exclure. Arrivés en cinquième, à à peine 12 ans, certains enfants ont tellement été exclus que tout le monde pense que l'école ne peut plus rien pour eux. Et dans certains collèges, il y en a deux ou trois comme ça par classe. On a tendance à essentialiser le comportement de ces élèves. S'ils font des conneries, c'est parce que c'est des garçons ou parce qu'ils ne sont pas nés en France. C'est pour ça qu'on les exclut. Ils sont par nature inadaptés. La sociologie de la déviance nous montre au contraire qu'en punissant des élèves, on les étiquette, on les stigmatise comme déviants. C'est pour analyser ce processus que j'ai mené pendant deux ans une enquête ethnographique dans trois collèges du quartier le plus pauvre d'Europe, ici, en France. J'y interroge les enseignants, les CPE, les surveillants, les chefs d'établissement, je vais dans les classes, les vies scolaires et j'enregistre tout ce que je vois. Comment, dans des conditions très difficiles, les profs s'en sortent ou pas et comment ça se passe quand des élèves sont exclus de cours. La banalisation de l'exclusion. C'est le risque de transformer en profondeur notre institution scolaire. Dans ces collèges, le système place les enseignants les plus jeunes et les plus inexpérimentés face aux élèves les plus pauvres et les plus en difficulté. Confrontés à ce fossé social, ces profs débutants pourraient devenir, malgré eux, des professionnels de l'exclusion dans une grande fabrique du décrochage scolaire. Dans les collèges de la très grande pauvreté, l'école de la République se contraint à une logique de tri. Elle pourrait alors construire une citoyenneté à deux vitesses dans laquelle la réussite des uns serait fondée sur le sacrifice des autres.